La préfecture de police de Libreville a un nouveau chef en la personne de Serge Hervé Ngoma. Il est colonel de police et vient officiellement de prendre ses fonctions. Jean de Dieu Gomes, Victor Mundunga. Le colonel Serge Hervé Ngoma est désormais le nouveau préfet de police de la ville de Libreville. Je suis davantage plus honoré par la confiance placée sur ma modeste personne par les plus hautes autorités de l'État, notamment Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Qu'il en soit ici remercié, ainsi que je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette nomination. Cette promotion de Serge Hervé Ngoma intervient après avoir occupé le poste de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale au Cameroun. Je mesure l'ampleur de la tâche qui vient de m'être confiée. Elle est exaltante et pleine de défis à relever. Le premier de ces défis, et pas des moindres, est celui de contribuer au rétablissement d'un climat de confiance entre les populations et la police. On dit que la préfecture de police est la vitrine de la police. Si c'est le cas, et je le pense, elle se doit de séduire, d'attirer et de rassurer. Serge Hervé Ngoma est né le 25 octobre 1964 à Libreville. En 1990, il intègre les forces de police nationale en passant par l'École nationale supérieure de police de Franceville. Titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, le promu est marié et père de 4 enfants. La préfecture de police de Libreville a pour mission, entre autres, veiller à la quiétude des populations, au maintien et au rétablissement de l'ordre. Dans cette lourde charge, le promu est par le lieutenant-colonel Eric Moussavou du PPL et par les commandants Achille Moussirou, directeur de la voie publique, et Kachou Langa Soter, directeur de la sécurité publique.